sollicité pour poser les fours. J'ai intervenu donc à la première maison. Monsieur Gigot a fait le support. Moi, j'ai mis l'isolant, la sole foyère, la voûte, tout ce qui est tubage. Voilà. Et le deuxième qui est derrière moi, idem, quoi. Voilà, le même principe. Voilà. Ce serait peut-être judicieux, c'est d'en claquer un là. Un collier. Avant qu'il fasse le rhabillage. Tu vois ? Comme ça, après, ils viennent coiffer autour. Et ce feu permettra de restituer pendant deux jours de la chaleur. Ça permettra de faire, dans un premier temps, par exemple, avec les flammes, tout ce qui est, une bêtise, brochette, voilà. Le lendemain, vous faites une pizza, il n'y a pas de souci. Ou le soir même, une pizza. Par contre, le lendemain, sans flamme, vous pouvez cuire une tarte, par exemple. Une tarte, ce que vous voulez, quoi, un bake-off, une tourte sans flamme, quoi, voilà. Et le surlendemain, il reste à peu près 80 degrés. Donc, vous pouvez faire de la meringue, par exemple, ou un œuf au lait, ou voilà. En direct sur la sole, en posant tout sur la sole. Sans gris, sans rien. On se sert de la sole, voilà. Et on peut même cuire directement sur la sole. Ouais, un amet, et puis à mon avis, un 450. Et puis on sera au-dessus. Ça sera pas mal. Ouais, là, ça sera bien. On pas très très haut. Comment, Yari ? Bord de là ? Peut-être pas, parce que là, ça va faire haut. Je vais mettre l'échelle. Hein. Ouais. Donc ça, c'est bon.